C'est Bakongo, contre toute attente, qui est le gouverneur du district, décide de détruire les maisons et de mettre à la rue plusieurs populations. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé. À 4h du matin, il a apparu, ou du moins, ces hommes armés de gourdins, de machettes et de tout ce que vous savez, sont descendus manu militari sur le village d'Adjamé et ont commencé à terroriser les populations en leur demandant de partir de chez eux parce que les machines de Caterpillar allaient venir détruire leurs maisons. Ceux-ci s'étant opposés, il y a eu un bras de fer, il y a eu des choses. Je veux saluer ici nos parents d'Adjamé village, nos parents ébriés. Merci d'avoir montré à ces microbes-là que c'est la terre de vos ancêtres et que personne, même avec des armes, ne pourrait vous déloger avec la force, sans négociation. Je voudrais vous saluer. Bravo à vous, félicitations. Merci d'avoir montré à ces microbes que c'est votre terre et que vous êtes chez vous et que personne ne peut vous effrayer sur votre terre. Je veux vous saluer. Et à travers moi, je souhaite que tous ceux qui sont en direct actuellement saluent les ébriés d'Adjamé Village qui ont montré leur bravoure et qui ont montré à ces microbes-là que ce n'est pas sur tous les terrains on vient se jouer les gros bras. Parce que beaucoup ne savent pas ça. Et moi, je vous donne l'information parce que j'ai eu l'information. Oui, les ébriers se sont défendus. Ils se sont défendus tellement bien que vous avez vu des machines ont pris feu là-bas. Vous avez vu que même un des chauffeurs de ces Caterpillars a dû se retrouver sous lui-même sa machine. Voilà. Sauf que ce que je voulais dire, c'est que Alassane Draman Ouattara, qui fait confiance d'après lui à ses hommes, à Cissé Bakongo et autres, s'est vu trahi. Il s'est vu trahi. C'est pour cela qu'on dit tout laisse. Je comprends maintenant mon petit Tesco le Sultan qui a sorti cette chanson et il a été précédé par José qui elle aussi a chanté tout laisse. Oui, tout laisse. Quand tout commence à te laisser, tu n'as plus les moyens de diriger quoi que ce soit. Alassane Draman Ouattara ne dirige plus rien en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, et sans état d'âme, sans crainte, je vous le dis, il ne dirige plus rien en Côte d'Ivoire. Il essaie de faire un semblant. Il essaie de montrer qu'il est encore là-bas, mais il ne dirige plus rien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'échapper à Alassane Draman Ouattara. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la chanson de José et de mon élément, mon petit, Tiesco le Sultan, tout laisse vraiment, et tout en train de laisser Alassane Draman Ouattara, même ses partisans, même ses proches, partisans, ceux qui le soutenaient, ceux qui faisaient son palabre, sont en train de le laisser. C'est pour cela qu'ils prennent des décisions sans son aval. C'est pour cela que quand il a appris ça et qu'il est rentré, il est venu sur les lieux avec des chemises ou sa chemise ou les cols n'ont même pas été bien serrés parce que ça a coupé son cœur. Tu ne peux pas t'amuser sur le terrain qui n'est pas ton terrain. Si c'est Bakongo le Lilliputien, celui-là qui se disait générationnel des ébriers, qui dit qu'il fait partie maintenant d'une génération des ébriers, si c'est Bakongo a oublié que quand ces ébriers-là rentrent dans le bois sacré et qu'ils sortent du bois sacré, c'est très dangereux. Ce n'est pas du jeu. C'est pour cela que j'ai dit encore qu'il faut mettre des cœurs, assez de cœurs pour nos parents ébriers, parce qu'ils sont rentrés dans le bois sacré. Ils sont rentrés dans le bois sacré. Les femmes sont sorties nues. Ce sont des secrets que je suis en train de sortir ici, mais je vais garder ça. Mais en fait, je le dis pour leur dire que c'est mort. Si les femmes ébriées se mettent nues, elles dansent toute la nuit, elles chantent toute la nuit, il y a toute la nuit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est le malheur qu'elles apportent sur, comment on appelle, Draman Ouattara et son pouvoir. Vous savez, hier, il y a une dame qui s'est jetée encore, qui s'est suicidée. Hier. On n'a même pas encore fini. C'est pour cela, l'indice de suicide au niveau de l'Afrique ou du monde, la Côte d'Ivoire est le cinquième pays où il y a plus de suicides. Pourquoi nos parents se suicident? Ce n'est pas, je ne sors pas de mon sujet. Hein. Je suis en train de vous dire. Parce que quand tu appelles le malheur sur toi, c'est comme ça. Vous savez, la Côte d'Ivoire a été construite sur la paix. Pourquoi au temps de Félix Houphouët-Boigny, on ne parlait que de paix? On disait oui, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Pourquoi au niveau de la Côte d'Ivoire, beaucoup se disaient le vieux sage de l'Afrique, c'était Houphouët-Boigny? Parce que la Côte d'Ivoire a été construite sur la paix. Tu construis quelque chose sur la paix, c'est comme l'aiguille d'une montre. Pendant que la montre est en train de tourner comme à son habitude, quelqu'un vient et il renverse, hein, l'habitude de cette montre-là. Mais c'est la catastrophe. Il aura des dégâts. Il aura des dégâts. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce pays qui a été conçu sur la paix, est en train d'être détruit. Or, tous ceux qui sont en train de faire ça ne savent pas qu'ils sont en train d'appeler sur eux le malheur. C'est pour cela que dans leur quête de détruire les maisons des ébriers, dans leur quête de vouloir s'imposer par la force et par la violence, ils se sont trompés. Ils ont cassé
les maisons des gens proches d'eux-mêmes. Je veux commencer. Bon, je ne vais pas dire je veux commencer. D'abord, une personne qui n'était pas proche d'Alassane Dramane Ouattara, qui était opposée à Alassane Dramane Ouattara, Djigui Amondji Pierre, c'est ça son nom, Djigui Amondji Pierre, c'est ça? Voilà. Il faut mettre des cœurs, les amis. Est-ce que vous êtes la même? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La maison de Djigui Amondji Pierre, la maison de sa mère, la maison de Djigui Amondji Pierre, la maison de sa mère, qui est d'Adjamé Village, a été cassée. Mais le sacrilège, je dirais plus, la catastrophe humaine et matérielle qui s'est passée, c'est-à-dire une entité de la Côte d'Ivoire, une entité des ébriers, a été démolie. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de la maison de Nangui à Brégoua. Vous avez déjà entendu ça? Il y a un boulevard même en Côte d'Ivoire qu'on appelle le boulevard Nangui à Brégoua. Nangui à Brégoua est l'ancêtre, est un ancien d'Adjamé Village. Sa maison a été détruite. Dans cette colère, parce que quand ils sont venus à 4h du matin pour casser les maisons, quand ils sont venus à 4h du matin avec leurs loubas, avec leurs voyous, avec leurs microbes pour intimider les populations et pour pouvoir les effrayer à sortir de chez eux, et qu'ils ont été repoussés, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis et revenus de plus belle, c'est-à-dire dans la colère. Ils devaient détruire les maisons à 15 mètres de leur plan pour la route. Ils devaient détruire les maisons à 15 mètres de la route. Sauf que, dans leur colère, ayant été battus, frappés, poursuivis, et autres que je ne dirais pas ici, par les ébriers d'Adjamé Village, dans la colère, Cissé Bakongo a ramassé encore ses microbes et a décidé cette fois-ci de dépasser ses prérogatives, de dépasser même les limites de la casse des maisons à 15 mètres. Il allait jusqu'à 70 mètres plus loin. C'est-à-dire, il devait casser l'embordure de route. Leur route tracée là, il devait casser à 15 mètres de la route tracée. Sauf que il est allé plus loin que ça. Il a dépassé, il a débordé. Il est allé jusqu'à détruire. Il est allé jusqu'à détruire des maisons à 70 mètres. C'est-à-dire, au lieu de 15 mètres, il est allé jusqu'à 70 mètres. Et dans sa quête de détruire jusqu'à 70 mètres, il est allé plus loin. Il est allé plus loin. Il a gâté le coin. En détruisant dans la colère, il est allé détruire la maison de Nangui à Brégoua. Il est allé détruire la maison de Nangui à Brégoua. Vous comprenez? Oui, je vous remercie. Continuez de partager, continuez de mettre des cœurs. Parce que ce soir, je vais dire quelque chose. Mais je suis en train de partir pas à pas pour que vous compreniez jusqu'à comment Cissé Bakongo est abruti et son forfait est cacheté par un fils. Un fils de Kama, un ébrier qui a été nommé premier ministre et qui pense que cette nomination-là, c'est parce qu'il est trop compétent qu'on l'a nommé. Or, en réalité, c'est parce que il veut nous montrer la différence entre la souffrance et la... le jumelage entre la souffrance et la joie. C'est pour cela qu'ils l'ont nommé, justement, pour qu'il vienne nous dire de souffrir plus pour être heureux après. Vous comprenez? Maintenant, on va continuer. Donc, ils ont cassé la maison de Nangui à Brégoua dans la colère, là, sans le savoir. Parce que si c'est Bakongo, c'est pas, il connaît pas cette zone. On l'a nommé gouverneur, mais il connaît pas cette zone. Donc, il détruit tout ce qui est sur son partage. Sauf que, tu détruis la maison de Djigui Amondji Pierre, de la maman de Djigui Amondji Pierre. Tu détruis la maison de Nangui à Brégoua. Tu t'en vas encore, détruire la maison d'une pionnière du RDR. C'est-à-dire, la maison de la maman où Dagry Diabaté est né. Sa maman, parce que son papa est de Jacquesville, et sa maman, d'Adjamé Village. Est-ce que vous comprenez la bêtise humaine? Est-ce que vous comprenez comment est-ce que dans leur colère de vouloir faire payer aux ébriers qui les ont chicotés la nuit à 4h du matin là, est-ce que vous savez qu'ils ont débordé jusqu'à ils sont allés casser même maison d'une pionnière de leur parti politique? La maman de Dagry Diabaté, la chancelière Dagry Diabaté, c'est pour cela que Ouattara est venu tout furieux. Il est très énervé contre Cissé Bakongo. Parce que la maison de Dagry Diabaté, la maman de Dagry Diabaté, là où Dagry Diabaté est né, là, ils sont allés casser ça aussi. Mettez des cœurs, les amis. On va vous donner les informations. Évangéliste Azima. Myriam Dosso, la mère, big up à toi. Dagry Diabaté, que vous voyez au RDR, qui s'est donné corps et âme pour le RDR, qui a perdu sa santé dans le RDR, qui a été violé par Alassane Dramane Ouattara et son frère, chose,
parce qu'ils ne veulent pas laisser des traces. Tous ceux qui ont appartenu au RDA, qui l'ont fait accéder au pouvoir par leur corps et par leur cœur, Alassane Dramane Ouattara veut les éloigner. Ils veulent tous les anéantir parce qu'ils en savent beaucoup. Et ceux-là, ils ne veulent pas les laisser là. Allez-y demander à la famille de Bon Koulibaly. Allez-y demander à la famille de Ambak. Allez-y demander à Soumaoro Cimetière, à la famille de Soumaoro Cimetière, et ainsi de suite. On va en citer, on ne va pas finir. Ouattao et autres. Allez-y demander à leur famille. Ils vous diront ce qui s'est passé. Donc, dans sa quête de vouloir tout gâter, de vouloir montrer aux Hébriers qu'il est très en colère et que c'est lui qui décide, c'est lui la loi, il a décidé d'aller détruire les maisons jusqu'à 70 mètres de la route. Et du coup, en forçant ça, il est allé et il a cassé la maison de la maman de Dagry Diabaté. Vous connaissez Dagry Diabaté, je n'ai pas besoin de vous la présenter ici. Les amis, continuez de partager. Donc, Alassane Dramane Ouattara est furieux contre Cissé Bakongo. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que eux là, depuis que Alassane Dramane Ouattara a su que parmi ces hommes de main, il y en a qui veulent le faire tomber maintenant. Parce qu'ils en ont marre de sa gueule, ils en ont marre de le voir, parce qu'ils savent qu'ils seront les prochains sur la table de sacrifice. Donc ils ont décidé de lui emboîter le pas, ou du moins ils ont décidé de court-circuiter son plan machiavélique de vouloir les détruire. Donc dès maintenant, ils ont commencé à se préparer contre lui. Alassane Dramane Ouattara comprend que des choses sont en train de se préparer contre lui. Il a compris que les Cissé Bakongo là veulent sa peau. Il a compris que les Adama Bitogo là veulent sa peau. Donc Alassane Dramane Ouattara, ce qu'on est en train de dire, c'est pour ça qu'il n'a pas confiance en eux et qu'il est en train d'appeler partout pour que d'autres Occidentaux viennent le protéger, l'assister et le sécuriser. Voici là où on en est. Aujourd'hui, là, Ajerout dit qu'ils n'ont jamais donné l'argent à qui que ce soit. Et pendant qu'eux, ils sont en négociation, ils sont en train de discuter. Voilà que Cissé Bakongo, le lilliputien, l'homme qui n'est pas grand, qui n'est pas court, qui n'est pas petit, qui n'est pas nain, qui est au milieu, c'est pour cela que je l'appelle le lilliputien, a décidé de montrer son gros bras, de montrer, parce qu'il rêvait tellement de devenir gouverneur pour pouvoir donner des coups de marteau aux portes des gens, aux maisons des gens, à la vie des gens. Donc, il a atteint son objectif. Aujourd'hui, il vient de comprendre qu'il s'est trompé. Il a fait une grosse erreur en détruisant, dans sa colère, la maison de Dagry Diabaté. Voilà l'information que je voulais vous donner. Parce que il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Ce pouvoir est en train de partir dans la rune. Et, comme je le dis, une terre qui t'a accueilli, la terre des Hébriers, ils sont en conclave. Les Hébriers sont en conclave. Ils sont en pleine discussion. Ils sont en train de préparer la riposte. Pas la riposte physique. Non. Parce que c'est pas eux qui ont des armes. Donc, ils vont pas riposter avec des armes comme vous. Ils vont pas venir encore avec des machettes ou des gourdins ou quoi que ce soit, ou des fusils. Non. Les Hébriers là, les Hébriers que vous voyez là, vous savez que c'est un peuple guerrier. Il accepte de te donner sa terre. Quand vous faites Boigny même, voulait prendre 500 000 et des 500 hectares, je sais pas, 500 000 ou 500 hectares de leur terre, il a fallu qu'il négocie. Il n'a pas fait ça en gros bras. Il n'a pas fait ça que je suis oufoué. À un moment donné, quand il a voulu faire un gros bras, ben, il a vu ce qui s'est passé, il s'est calmé. Le grand oufoué s'est calmé. Donc vous, les prins qui êtes là aujourd'hui, qui avez pris le pouvoir d'État par la force des armes, et que vous pensez que tout peut se passer comme vous voulez, il y a des personnes qui sont tombées le jour où vous êtes venus casser les maisons, il y a des personnes qui sont blessées, il y a des personnes qui sont mortes, parce que vous avez décidé de forcément faire passer la route sur la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Mais sachez que ils sont entrés dans le bois sacré. Ils sont en train de se parler. Et ils vont se parler, ce qui va entraîner la chute de tout votre gouvernement. Parce que c'est la terre qui nourricière qui est en train d'être écrasée. C'est la terre nourricière qui est en train d'être piétinée. Vous êtes en train de marcher sur des gens. Je souhaite ici que des interventions se fassent sur ce live, si vous voulez bien. Parce que j'ai envie d'aller sur TikTok parce que c'est là-bas qu'on peut intervenir directement. Mais je donne quand même, je ne sais pas si je vais écrire le numéro ici. Je souhaite que vous puissiez intervenir si vous voulez. Par WhatsApp, bien sûr. Si vous avez votre WhatsApp, ben pour intervenir, appelez ce numéro-là. C'est mon numéro WhatsApp. Je souhaite
je souhaite que vous puissiez intervenir. Voilà, si vous voulez. Parce que j'irai tout à l'heure sur WhatsApp. Donc, je vais vous permettre de dire un mot ici. Si vous n'avez rien à dire, je vais couper. Voilà. Sinon, je donne rapidement pour intervenir. Donc, je donne rapidement. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai donné le numéro 1. J'ai épinglé. J'ai donné ça sur mon autre Facebook. Donc, je vais le dire pour que ceux qui sont là puissent noter ça sur le direct. C'est le 00 33 6, ou du moins le 00 336 02 59 83 51. Je reprends. 00 336 02 59 83 51. Écrivez ça pour que ça reste. Celui qui a envie d'appeler va appeler sur WhatsApp. Sinon, si vous ne voulez pas appeler, ben moi je vais continuer à vous entretenir en donnant ma part après l'information. Parce que ça, c'est l'information. Maintenant, il faut analyser cette information. Voilà. Donc, dans l'information, je vous ai dit que Cissé Bakongo, dans sa colère, est allé casser la maison de Nangui Abegwa, la maison familiale de, comment il s'appelle, de Djedji Amoudji Pierre, et la maison familiale de eux-mêmes, leur pionnière du RDR, c'est-à-dire la dame, comment elle s'appelle, Dagri Diabaté, qui est la chancelière aujourd'hui, qui est là. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, je vois un autre Lilliputien, celui-là que la nature n'a pas créé sainement, celui-là qui a été exproprié de beaucoup de globules rouges, celui-là qui a une déformation physique et mentale, qui s'appelle Johnny Pacheco, qui est actuellement sur TikTok et qui raconte sa merde sur le déguerpissement de Agami Village. Il est disant, voici le premier ministre lui-même qui est un achan, le premier ministre qui est ébrié, comment il peut vendre son peuple? Il ne vend pas son peuple. En fait, c'est un travail qui est en train de se faire et on doit, c'est-à-dire la cartographie du Grand Abidjan ou de la Côte d'Abidjan est faite comme ça. Donc on doit accepter ce qui s'est passé. Il y a eu l'argent donné et tout. Il rencontre tout et il ne dit rien en fait. Coralie Canon, big up à toi. Il ne dit rien. Il est là, il raconte sa merde et il se croit tellement intéressant qu'il est en train de dire, oui, vous voyez, le travail est en train de se faire, les gens sont, ils ont vendu les terres, on leur donne de l'argent, ils en veulent plus, et ceci et cela. Mais cher individu mal intentionné, l'inachevé que tu es, mais tu ne peux pas te permettre de raconter des bêtises. Des populations sont déguerpies sans leur consentement. Un village est une référence, c'est-à-dire ceux qui sont en train de chasser sur les terres là, quand ils vont quitter là, ils vont aller où? Toi, quand tu quittes en Finlande là, tu sais où tu vas partir dans ton village? Tu sais où tu rentres? Imaginons que tu quittes en Finlande après tes vadrouilles, ou bien après, comme on appelle, ta retraite, parce que toi, tu n'es pas prêt à venir vivre en Côte d'Ivoire, parce que tu peux même pas vivre à 100% en Côte d'Ivoire, c'est de vivre en Europe sur le dos de tes femmes là. Mais attends, on peut être comme ça, aussi mauvais. Mais pourquoi il a un mauvais fond et un mauvais cœur, ce jeune homme-là? Mais tu es méchant. Tu es méchant. Quand tu vas rentrer chez toi, à Ouagadougou, là, dans ton village-là, si tu arrives et puis il n'y a plus de village, et puis on a cassé la maison de ton père, et puis la maison de tes parents là ont été cassées, là, tu vas venir dire que comme la cartographie de la Côte d'Ivoire devait faire passer une route là, donc la route est passée, c'est normal. C'est ce que tu dois dire. C'est ce que tu vas dire. C'est pas parce qu'on veut des miettes, c'est pas parce qu'on suit quelqu'un pour avoir, comment on appelle, de l'argent, que on va venir rencontrer sa mère. Tu les as suivis. Tu as insulté tes mentors d'hier. Tu as traité tout le monde de ce que tu voulais. Et tu, finalement, tu as été maltraité. Donc, ça fait de toi un aigri notoire. Tu es obligé de ne pas vaciller. Parce que là, tu es parti à gauche. Si à gauche ça va plus que tu reviens à droite, c'est mort pour toi. Donc toi, tu es encore dans ta logique de continuer à faire les attaracous d'Alassane Draman Ouattara, sauf que tu n'as pas d'argument. Voilà, tu n'arrives pas à convaincre. Tu n'arrives pas à convaincre. Pourtant, à l'époque, quand tu étais opposé à Alassane Draman Ouattara, tu avais des arguments. Tu avais des arguments convaincants. Tu arrivais à convaincre les gens parce que tu avais beaucoup d'arguments. Là, tu n'as pas d'arguments. Des gens sont en train de pleurer sur leur sort. Et toi, tu fais des panels TikTok
pour rencontrer ta mère sur leurs souffrances. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, tu as la grande gueule. Tu veux te faire pardonner parce que tu as tellement dit que tu penses que si tu ne cherches pas à protéger tes arrières, tout sera gâté. Donc, tu es obligé de continuer à faire le vuvuzela pour pouvoir protéger tes biens. Pour pouvoir avoir des biens. Parce que protéger tes biens, j'en doute fort, mais avoir des biens. C'est pour ça que tu te bats. Tu es obligé de soutenir, mais il faut soutenir bien. Il faut faire la politique avec élégance, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il ne faut pas faire une politique aveugle. Il ne faut pas faire une politique idiote. Il ne faut pas faire une politique idiote. Parce que la politique que tu fais là, elle est idiote. Elle est sans dessus, sans dessous. C'est une politique alimentaire, comme on le dit. Ça n'a pas de sens. C'est nul ce que tu fais. C'est nul ce que tu fais. Tu te moques des ébriers. Pourtant, quand tu vas descendre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, c'est sur la terre des ébriers. Quand ils vont te maudire encore, parce que je dis encore, parce que depuis le sein de ta mère qui a été maudit, ce qui t'a rétrogradé intellectuellement, ce qui t'a rétrogradé physiquement, et aujourd'hui, tu cherches encore une malédiction des ébriers. Mais la malédiction des ébriers, si ça t'atteint, mon frère, tu ne pourras plus tenir. Tu ne vas pas tenir. Hein. Si ça t'atteint, tu ne vas pas tenir. Parce que quand tu vas rentrer là, tu vas descendre sur les terres. Et eux là, s'ils tapent le sol et qu'ils te maudissent, mon frère, on ne pourra plus rien faire pour toi. On ne pourra plus rien faire pour toi. Donc arrête de raconter des bêtises sur cette population qui t'a vu travailler, qui t'a vu grandir. Il ne faut pas raconter des bêtises. Aujourd'hui, ils sont en souffrance, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, comme je disais tantôt. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut aller dire à cet autre Lilliputien, comme si c'est Bakongo, allez-y dire à ce Johnny Pacheco là, qui n'a qu'à arrêter sa merde. Voilà. Quand tu ne fais plus long feu, quand tu es perdu, tu es un perdu de la République, essaye de passer à autre chose. Voilà. Arrête de rencontrer des anneries, arrête de rencontrer des bêtises, parce que tout ce que tu racontes là ne va pas quelque part. Ça reste au niveau de ton ventre et de ton bas-ventre, parce que tu es en souffrance depuis que le RDR n'arrive plus à te nourrir, à s'occuper de toi, tu es perdu. Donc aujourd'hui, tu es en train de piailler sur les TikTok maintenant, en train de te faire un peu une place au soleil, mais c'est que le soleil là, ça va partir et c'est la pluie qui va t'accueillir et tu seras mouillé dans tout ce que Alassane Dramane Ouattara fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Tu seras mouillé dedans. Aujourd'hui, tu es identifié comme étant un partisan d'Alassane Dramane Ouattara qui est en train de tomber. Quand il va tomber, tu vas tomber avec lui. Ça, je te le rassure. Tu vas tomber avec lui. Tu ne te feras pas pardonner quand tu vas revenir dire non, oui, j'étais jeune, non, je ne savais pas ce que je faisais, non, j'étais sous emprise, non, si je ne disais pas ça, on n'allait pas. Non, 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 on ne va plus écouter les gens comme ça. C'est terminé. C'est terminé. Le neveu de l'oncle a dit qu'il était jeune. Mais on ne va plus accepter que quelqu'un fasse du mal à la Côte d'Ivoire ou aux Ivoiriens et il vienne dire que c'est parce que j'étais jeune. J'étais jeune. Michel Gondo, big up à toi, hein, sois salué depuis ta position. Donc voilà ce que je voulais dire. Nous sommes à 32 minutes, presque 33 minutes. Voici ce que je voulais dire. J'attendais les appels pour que chacun donne son avis. Je reçois pas d'appel, donc je suppose que vous n'avez rien à ajouter sur ce que j'ai dit. Sinon, si vous avez quelque chose à ajouter, ben, je vous attends encore pendant 2 minutes et puis on va mettre fin à ce live. Voilà. Dites-moi. Le numéro, je sais pas si vous avez vu le numéro, mais j'ai mis le numéro ici et je le répète, 06 02 59 83 51. Vous pouvez appeler par WhatsApp uniquement. Appelez-moi par WhatsApp. Maintenant, ceux qui sont au pays, c'est le 00 336 02 59 83 51. Voilà. Vous avez 2 minutes pour pouvoir vous manifester. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été donné comme information? Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, je vous écoute. Et puis, on va passer à autre chose. Voilà, on va passer à autre chose. Donc, voilà. Pour ceux qui viennent